Oui, donc je m'appelle Dominique Perrault-Poussielgue, j'habite à Orléans, je suis mariée avec deux petites filles et puis je suis éditrice indépendante à différentes maisons d'édition. Alors c'est l'intuition des éditions Magnificat qui ont déjà l'expertise de Magnificat Junior et l'idée c'était de se dire on a besoin, les enfants ont encore besoin de support papier parce que c'est vrai qu'ils sont souvent devant les écrans de plus en plus, on les sollicite beaucoup par les médias, les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Donc l'idée c'était aussi de leur permettre un support sur lequel ils pouvaient revenir, ils pouvaient collectionner, voilà. L'émerveillement. Le sens du beau, montrer les belles choses qui sont autour de nous et ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit des enfants à ce qui est beau autour d'eux. Alors, pour Théophile, on vise en fait donc des enfants qui sont catholiques ou pas pratiquants. L'idée est que ceux qui sont catholiques pratiquants sont déjà assez nourris dans leur famille, en général ont accès à pas mal de choses, donc c'est merveilleux si ça peut les toucher. On voudrait aussi et surtout toucher ceux qui sont un peu plus éloignés et qui ont moins de support et qui peut-être connaissent pas forcément bien la vie de Jésus. Donc, à travers la culture qu'on propose de découvrir via Théophile, on va leur ouvrir un peu le cœur et l'esprit pour que s'ils le souhaitent, ils puissent aller creuser tout ça. L'idée, c'est de proposer des supports qui conviennent à chaque enfant, là où il est. Soit parce qu'il a peu de temps, soit parce qu'il a du temps plus long, soit parce qu'il est plus intéressé par les choses visuelles, donc des BD, de l'illustration, etc. Soit parce qu'il a, lui, besoin de lire, donc il y a des petites fictions. L'idée, c'est d'apporter vraiment une multiplicité de contenus et de types de contenus pour que chaque enfant puisse aller creuser selon ses appétences. Et nous, ça nous permet un travail fabuleux de creuser le thème via différents exercices, parce que c'est à travers le jeu, à travers la BD, à travers des recettes de cuisine, à travers une fiction, à travers le dossier, bien sûr, qui est très étoffé. Voilà. Et en fait, c'est merveilleux pour nous parce que le sujet qu'on choisit au départ s'étoffe de plus en plus et s'enrichit. Alors, c'est les éditions Magnificat avec Jean-Marc Richard qui ont beaucoup travaillé sur ces aspects-là. L'idée, c'était de. Ce qui était amusant comme travail, c'est que soit c'était un impératif de contenu qui leur faisait créer une mise en page, une mise en forme particulière, soit c'était la mise en forme et les idées créatives qui nous ont permis d'adapter le contenu. Donc on a vraiment gardé l'esprit ludique, joyeux, coloré, avec des choses assez dynamiques qui changent, tout en restant vraiment dans les goûts, les couleurs actuelles. On voulait pas quelque chose qui soit trop daté, on voulait vraiment correspondre aux besoins d'aujourd'hui. On peut parce qu'en fait, on travaille beaucoup en amont en équipe de comité de rédaction pour travailler sur la commande, ce qu'on vraiment voudrait demander aux auteurs. Donc, la commande est précise. Les auteurs sont chevronnés, c'est des auteurs qui ont l'habitude de la presse jeunesse et de l'univers dans lequel on souhaite développer et déployer Théophile. Et il y a plusieurs strates de validation, de vérification derrière où on se pose des questions, on échange, on creuse. Voilà, donc les choses ne sont pas faites comme ça sans filtre. Au contraire, on est très très attentif. Et à ce qu'on propose en contenu propre en tant que tel, et à ce qu'on propose comme par exemple comme actualité, comme exposition, comme livre à conseiller, parce que voilà, on sait que c'est très important. Ce qui m'anime, c'est la joie de transmettre, de me dire que moi j'ai eu la chance de vivre une belle enfance avec des belles valeurs portées, avec des années de scoutisme magnifiques qui m'ont vraiment construite. Et voilà, ça m'a permis d'acquérir un socle. Et en fait, ce socle-là, j'aimerais, d'une manière ou d'une autre, soit par ce que j'écris, soit par mon travail, transmettre ça aux enfants. La confiance en soi, la confiance dans les autres, le sens de l'amitié, l'espérance. Voilà, toutes ces valeurs-là, toutes ces piliers de vie, qui sont importants aux âges, où chaque enfant, petit à petit, se pose des questions et se construit. J'ai été Louvette, guide aîné, cheptaine. J'ai fait partie aussi de la chorale des Bibliscouts d'Europe à Paris, quand j'étais à Paris. Et voilà, c'était vraiment des belles années au fil de ma croissance, des belles années bien adaptées aussi à ce que j'avais besoin de recevoir ou de donner. Et on reçoit beaucoup et on donne beaucoup. Et ça fait du bien.
Oui, alors par rapport à mes choix professionnels, j'avais décidé d'emblée de ne pas travailler dans un contexte déjà catholique et déjà pratiquant, etc. Je voulais aller dans des maisons d'édition lambda, voilà, pour être sur le terrain lambda, au milieu de collègues qui ne soient pas pratiquants, parce que je me suis dit que bah, ça avait plus de sens aussi, et que moi j'avais besoin d'être dans la vie réelle. C'est formateur quand on souhaite un peu se donner et puis échanger, et puis on reçoit aussi beaucoup. Et après, bien sûr, c'est revenu dans notamment mes écrits. J'ai besoin de transmettre ce que je suis, ce que je porte. Et du coup, toute ma vie de foi, toute cette espérance, voilà, transparaît à travers ce que j'ai. Alors, je retiens les vertus de la guide. notamment, je l'espère en tout cas, franchise et dévouement. Dévouement surtout dans ce que je fais, en fait, dans mon quotidien, dans mon travail, j'essaie vraiment de faire bien ce que je fais et puis de pas m'arrêter forcément à une tâche et d'essayer de voir un peu ce qu'il y a autour. Et puis voilà, d'avoir un beau contact ou un bon contact avec les gens avec lesquels je travaille parce que je trouve que l'humain est très important. Voilà, on est dans des périodes où beaucoup de choses se font par visio, par téléphone, par mail, bon, comme d'habitude, comme avant, mais il y a un peu moins de contact, un peu moins, voilà, moi je travaille aussi à distance, les choses sont différentes, mais le tissu humain est fondamental. Je pense que c'était le jour où j'ai reçu ma première classe et on m'a demandé d'être CP d'une patrouille. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et puis en avant. Saint Jean Bosco. Je dirais, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. La joie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.